Bonjour, José Pasqualetti, on est au milieu du stade du FC Istres, Parsemin. Comment vous jugez justement votre nouveau groupe? Là, c'est une nouvelle aventure qui commence encore, des liens à créer, une atmosphère à recréer, des nouvelles arrivées, des partants. Comment, à une semaine là, du début, comment vous les voyez, vos joueurs? Il y a déjà une très bonne ambiance. Le groupe vit bien ensemble, donc déjà, on n'a pas trop mal commencé. Sur les matchs de préparation, il y a des satisfactions, mais il y a aussi beaucoup de points d'interrogation, mais ça c'est normal. Donc il faut recommencer dans la philosophie de jeu, dans les cheminements, dans les échanges, dans beaucoup de domaines, il faut recommencer. Mais je suis un petit peu plus, non pas inquiet, mais je crois que j'ai besoin de renfort. On y travaille actuellement. Dans quel secteur vous recherchez particulièrement de jeu? Actuellement sur le plan offensif. Bon, on n'a pas remplacé encore Riyad Nouri. Et devant, je dirais satisfait parce que les joueurs qui jouent, que ce soit Nicolas Depréville qui a fait une très bonne saison, qui était la bonne surprise, Nicolas Nassim Akrour qui a confirmé, mais je suis trop juste à ce niveau-là. Même si j'ai des jeunes derrière, je suis trop juste. Donc c'est à ce poste-là que j'ai demandé à mes dirigeants de faire un petit effort et on est en train de chercher et de négocier avec un ou deux joueurs. Alors que vous êtes en phase de négociation, quel regard vous portez sur des transferts records, comme on vient de voir avec Ibrahimovic au PSG? Oui, bien sûr, j'en entends parler tous les jours, on ne parle que de ça à la radio, à la télé. Ça vous fatigue? Oui, ça me fatigue, oui, ça me fatigue. Ça vous frustre? Pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait ce métier pour, je vous disais, le partage, l'altruisme. C'est pas aujourd'hui pour être jaloux, un vieil aigri, être jaloux de quoi que ce soit. Je pense qu'il y a aussi dans ce choix une raison économique, une raison stratégique aussi économiquement. Hein. Mais oui, ça me fatigue parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les footballeurs sont tous mis à la même enseigne. On généralise. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison qui vient? De la santé. On a bien compris. De la santé. Ça. Que nous arrivions tous les ans, malgré tout, à stabiliser un petit peu ce club et de lui permettre de durer dans ce championnat de Ligue 2. Vous aspirez à être parmi les trois meilleurs entraîneurs de Ligue 2, comme on a vu l'année dernière avec les trophées UNFP, même si vous ne l'avez pas remporté? Mais vous voyez, ça c'est quelque chose que je n'ai absolument pas cherché, qui était arrivé, ça m'a fait plaisir. Ben, je vais faire pareil. Moi, l'objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre le plus vite possible 43 points. Et puis si on peut s'amuser et se faire plaisir encore davantage que ce que nous avons pu faire la saison dernière, on le fera. Maintenant, s'il faut cravacher, eh bien, on cravachera aussi. Mais après, je suis focalisé sur les objectifs de Istres. Les objectifs de José Pasqualetti, c'est ce que j'explique aux joueurs. Quand Istres marche, automatiquement, ça rejaillit sur les joueurs, ça rejaillit sur l'entraîneur. Il y aura des solutions, des opportunités, des sollicitations. Après, ça, chacun fera sa vie.